Hello friends, bonsoir, bonjour, salut, ça passe. This is Dr. Joseph, Dr. Lou for short. Last time we began the series on Jacques Roumain's masterpiece Gouverneur de la Rosée, Masters of the Dew. Which was published after he passed at 37 years old. The novel was first translated in English by Langston Hughes. As I mentioned in part one, he has been translated in more than two dozen languages. I do want to pick up from where we left in chapter 6. It is the chapter that is concerned predominantly with trust, the exercising of trust, faith. So this is Manuel trying to persuade Anna to trust him. Okay. I also mentioned Manuel wants Anna not only as a companion, but also as a partner. He wants her to work together with him to bring the peasants in the community in unity, in reconciliation, in harmony. But he has deep interests in Anna. He wants Anna to become his wife, his negress. So I pick up where we left. Et maintenant, est-ce que c'est assez solide, assez massif, assez ramassé? On dirait que oui, pas vrai? Eh bien, la grève, c'est ça. Un nom de mille voix qui ne font qu'une et qui s'abat sur la table du patron avec le pesant d'une roche. Non, je t'ai dit non, 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 et c'est non. Pas de travail, pas de zafra, pas un brin d'herbe de coupé si tu ne nous paies le juste prix du courage et de la peine de nos bras. Et le patron? Qu'est-ce qu'il peut faire, le patron? Appelez la police. C'est ça? Parce que les deux s'accomplissent comme la peau et la chemise, et chargez-moi ces brigands. On n'est pas des brigands, on est des travailleurs, des prolétaires. C'est comme ça que ça s'appelle. Et on reste en rang têtu sous l'orage. Il y en a qui tombent, mais le reste tient bon, malgré la faim. La police, la prison, et pendant ce temps, la canne attend et pour rire sur pied. La centrale attend avec les dents désœuvrées de ses moulins. Le patron attend avec ses calculs. Et tout ce qu'il avait escompté pour remplir ses poches et à la fin des fins. Il est bien obligé de composer. Alors crois qu'il dit, on ne peut pas causer. Sûr qu'on peut causer, c'est qu'on a gagné la bataille. Et pourquoi? Parce qu'on s'est soudé en une seule ligne comme les épaules des montagnes, et quand la volonté de l'homme se fait haute et dure comme les montagnes, il n'y a pas de force sur la terre ou en enfer pour l'ébranler et la détruire. Il regarda au loin, vers la plaine, vers le ciel dressé comme une falaise de lumière. Oh, tu vois? C'est la plus grande chose au monde que tous les hommes sont faits, qu'ils ont le même poids dans la balance de la misère et de la justice, et de l'injustice.
Elle dit humblement, et moi, quel est mon rôle? Quand j'aurai des terres et l'eau, je te ferai savoir et tu commenceras à parler aux femmes. Les femmes, c'est plus irritable. Je ne dis pas non, mais c'est plus sensible aussi et porté du côté du cœur. Il y a des fois, tu sais, le cœur et la raison, c'est du pareil au même. Tu diras, cousine, une telle, tu as appris la nouvelle. Quelle nouvelle? Elle répondra. On répète comme ça que les garçons de bien-aimé, ce nègre qu'il s'appelle Manuel, a découvert une source. Mais il dit que c'est tout un tracas de l'amener dans la plaine qu'il faudrait faire un combat général. Et comme on est fâché, ce n'est pas possible. Et la source restera là où elle est sans profit pour personne. Et puis, tu mettras le causer sur la pente de la sécheresse, de la misère. Et comment les enfants faiblissent et tombent malades et que tout de même, s'il y avait l'arrosage, ça changerait du tout au tout. Et si elle a un semblant de t'écouter, tu diras encore de cette histoire de Doriska et de Sauveur avait peut-être fait son temps, que l'intérêt des vivants passait avec la vengeance des morts. Tu feras le tour des commères avec ces paroles, mais va avec précaution et prudence. Va avec des. C'est dommage, oui. Et si pourtant, peut-être que malgré tout, tu as accompli ma négresse, n'est-ce pas? J'ai compris, obéirai. Excuse me. J'ai compris, je t'obéirai, mon nègre. Si ça prend, les femmes vont rendre les hommes sans repos, les plus récalcitrants vont se fatiguer de les entendre jacasser toute la sainte journée, sans compter la nuit. De l'eau, de l'eau, de l'eau. Ça va faire une sonnette de grelots sans arrêt dans leurs oreilles. De l'eau, de l'eau, de l'eau. Jusqu'au moment où leurs yeux verront vraiment l'eau courir dans leur jardin, les plantes pousser toutes seules. Alors ils diront, bon, oui, femme, c'est bien, nous consentons. De mon côté, je suis responsable de mes habitants. Je leur parlerai comme il faut et ils accepteront. Je suis sûr et certain. Et je vois arriver le jour quand les deux parties seront face à face. Alors, frères, diront les uns, est-ce que nous sommes frères? Oui, nous sommes frères, feront les autres, sans rancune, sans rancune, tout de bon. Tout de bon. En avant pour le combat. En avant pour le combat. Ah, dit-elle avec un sourire émerveillé. Comme tu as de la malice, je n'ai pas d'esprit moi-même, mais je suis rusé aussi. Oui, tu verras. Toi-même, tu es plein d'esprit. Et la preuve, tu vas répondre à cette question. C'est une devinette. Il désigna la plaine de la main tendue. Tu vois ma casse, Bruno? Maintenant, suis-moi sur la gauche. Tire une ligne toute droite à partir du morne jusqu'à cet emplacement à la lisière du bois. Bruno. C'est un bel emplacement, non? On pourrait bâtir une casse là avec une
balustrade, de portes et de fenêtres, et peut-être bien un petit perron. Non? Les portes, les fenêtres, les balustrades, je vois ça. Peinturé en bleu, ça fait propre le bleu. Et devant la casse, si on plantait des lauriers, c'est pas très utile les lauriers. Ça ne donne ni ombrage ni fruits, mais ce ne serait rien que pour les plaisants de l'ornement. Il passa son bras autour de ses épaules et elle frémit. Qui serait la maîtresse de la casse? Lâche-moi, dit-elle d'une voix étranglée, j'ai chaud. Qui serait la maîtresse du jardin? Lâche-moi, lâche-moi, j'ai froid. Elle se délivra de son étreinte et se leva. Elle avait la tête baissée, elle ne le regardait pas. Il est temps pour moi de partir. Tu n'as pas répondu à ma question, non. Elle commença à redescendre la pente et la suivait. Elle détacha la bride du cheval. Tu n'as pas répondu à ma question. Elle se retourna vers Manuel. Une lumière illumina son visage. Ce n'était pas un rayon de soleil couchant, c'était la grande joie. Oh Manuel, il tenait embrassé la chaude et profonde douceur de son corps. C'est oui, Anna, c'est oui, chérie, mais laisse-moi aller. Tant pis. Il écouta sa prière et elle glissa de ses bras. Alors, adieu, mon maître, dit-elle dans une révérence. Adieu, Anna. D'un élan aisé, elle sauta sur sa monture. Une dernière fois, elle lui sourit, puis, éperonnant le cheval du talon, elle redescendit vers la ravine. Again, this was Gouverneur de la Rosée en by Jacques Romain. I was pleased and delighted to share with you chapter 5. And I hope we can do it again for part 3.